Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Minecraft pour le 47e épisode de cette carrière suivie. Donc pour ce 47e épisode, nous allons faire quelques trucs. Alors j'ai rien de prévu pour cet épisode-là. Je vais trouver quelque chose à faire. Déjà nourrir les petites vaches. Ça c'est très important. Ouais, puis c'est tout, j'ai déjà nourri. Voilà, donc c'est fait. Ah oui, j'ai été me cuire de la bousse et de Coco Beans, de la canne à sucre et ça. Oui, parce que je vais reproduire les vaches pour pouvoir nous faire. Nous faire des livres et pouvoir commencer à enchanter. Notre stuff, très important. Voilà. On va commencer à ranger ça ici. Voilà, on commence à ranger tout notre bordel. Voilà. La pelle à balin. Déjà, je range l'inventaire avec vous, comme ça c'est fait. Vous voyez un petit peu comment j'ai agencé ça. Ah putain, je... Ah, je suis faire comme ça. La stone brick, elle va où? Où va la stone brick? Il n'y a même pas de coffre à stone brick, quoi. Je vais faire une salle des coffres avec vous. Enfin, pas aujourd'hui, mais il faut que j'en fasse une. Donc ça arrivera prochainement. Ça ici. Enfin, je tue des poulets parce que je pense que c'est ça qui me fait un peu laguer. Les poulets. Ça, on va les mettre là. La table de craft, on va la garder. Ça, on va les foutre dans le feu. Ça, on va les garder. Ah, il faut que je vous montre comment pousser un champignon. Parce qu'il y en a qui savent pas. Bah, tiens, c'est ce qu'on va faire là dans cet épisode. Il faut juste un. Attendez. Je vais ranger la pomme. Voilà. Je range mon inventaire au fur et à mesure. Avant, j'ai des poudres d'os. Sans faire deux encore. Tac tac. Voilà. Toujours en avoir en rab, très important. Si les blocs, je vais en avoir besoin. Parce que je vais vous faire montrer comment faire pousser un champignon. Qui est très facile. Donc ici, je pense que vous connaissez, c'est ma poubelle que j'avais faite. Voilà, avec ici la source d'eau. Voilà, c'est assez simple, c'est très RP, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors ici, voilà comment ça a agencé. Et voilà ici. Donc là, je sais pas si vous connaissez ici, je vous montre quand même dans cet épisode-là, parce que j'ai rien de prévu dans cet épisode-là. J'ai pas encore travaillé la façade toute plate là que vous voyez ici de la ferme. J'ai toujours pas travaillé donc ça va arriver bientôt. Alors je vais vous faire montrer comment faire pousser un champignon qui est assez simple hein. C'est très simple pour faire pousser ça. Faut que je fasse un peu de terraforming aussi sur le terrain où il y a ma maison. Tac. Ah oui, il faut que je monte de 7. C'est bon.
je vous montre comment on fait. Faudra que j'ai qu'on aille miner aussi. Faudra qu'on aille miner. Donc ça, faut que je explore le mineshaft. Le mineshaft, oui, on dit ça comme ça, avec vous. Plein de choses à faire en vrai, en fin de compte. Voilà. Et voilà, le champignon est fait. Vous faites une tour de 7, vous refaites la croix en haut. Vous mettez votre champignon, vous mettrez de la poudre d'os et puis c'est parti. Et après, à la hache, pour que vous avez plus de chances d'avoir d'autres champignons. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a... Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire de plus. Voilà. Donc avec les rouges, on peut faire des maisons champignons si on veut. Je dis bien qu'avec les rouges, parce que ceux-là... Peu du mal, ça fait juste un toit. J'ai eu tous mes champignons. Donc je pense qu'on va le garder, ça je sais pas trop. Pour l'instant on va le garder, puis on verra par la suite. Vraiment que je torche, hein. Il va falloir vraiment qu'on aille miner parce que c'est la folie. Je pense qu'on va aller dormir et après que j'irai... Et après que j'irai... vous faire montrer un truc que j'ai découvert. Donc c'est un... Bon, je vous laisse la surprise après tout. Je vous laisse la surprise, c'est rien d'exceptionnel mais bon. Je laisse le suspense. Tout simplement. Je pense qu'on fera le donjon et puis après on terminera l'épisode et je me suis tôt... Et voilà, je vous ai dit ce que on allait faire. Mais vous savez pas quel donjon, ça vous savez pas lequel, donc ça c'est très bien. Voilà, ça c'est fermé, c'est fait. Hop, on va commencer à aller. À aller visiter le donjon. On va commencer à aller le voir. On va aller commencer à aller le voir. Donc c'est par là-bas, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est par là. Oui, si c'est bon. Oula, ça va générer du terrain qui a déjà été généré. C'est quoi ce bordel? Aïe, voilà, m'a fait peur lui. Et c'est dans la forêt, enfin dans la jungle. Donc là, pour ceux qui jouent à Minecraft, ils savent de quel donjon je veux parler. Pour ceux qui savent pas, bah, je vous laisse découvrir la suite. Alors que je le retrouve. Il est par ici, il est là. Tout simplement, il est là. Oula, oula. Ça, c'est les gens anciennes. What the fuck? C'est les anciennes générations. Voilà. Que je voulais vous dire. C'est les anciennes. Et du coup, c'est un peu le bordel. Pourquoi on est loin de zéro? Oh, ça va, on est dans des coordonnées assez... Pas si éloigné que ça de zéro, mais bon. Assez pour que ça fasse spawner un donjon, apparemment. Ah, il est là, il est là. Quelques baisses de FPS, enfin je bug un petit peu dans la jungle. Bah écoutez, on va le péter, on va récupérer les blocs je pense plus tard quand quand on voudra faire de la décoration. Quand tu veux, hein. Donc il n'y aura rien d'éclairé vu que j'ai pas de torche. Et ah, c'est un autre donjon de la 1.6.4 apparemment. Je commence à casser les blocs. Putain, ça rame un petit peu.
On récupère les tripwire hook. Parce que au prix que ça coûte, ça. C'est pas gratuit. Ouais, pas mal, pas mal. Ah, mais con ces systèmes de redstone. Parce qu'on sait très bien quand ils sont activés ou non, mais bon. On va récupérer ça. On va récupérer le dispenser. On va récupérer les coffres après tout. Après tout, on se fait plaisir. La redstone, non, j'en ai assez, mais. C'est dispenser, hein, c'est ça. Ouais. Alors maintenant, ouais, c'était fait de l'autre côté. Alors par contre, ça, je vais les récupérer, les pistons et tout le bordel. Parce que du diamant. Ah, je suis super content là, des diamants, de la rotten flèche qui va partir à la poubelle. Par contre, je suis super content, j'ai trouvé des diamants. Alors ça, je suis super content d'avoir trouvé des diamants. Franchement, super super. Alors attendez, on va récupérer les pistons, la redstone, les pistons. Ok, bon, on était faire notre quelques petites courses. Voilà, je suis content. Ah, l'entrée était ici, d'accord, ok. Bah, je suis pas passé par l'entrée, désolé. Ouais, bah petit donjon assez sympa, on va dire. Bien aimé. Oh, c'est sympa, quoi. Les donjons Minecraft, quoi. C'est simple, assez sympa. Comme on les aime, quoi. Ah, ici, par contre, je suis un peu radin sur le charbon. Et du coup, dès que j'en vois, j'en prends. Rien, quoi. Ah, on a aussi ici. Hop. Il y a un putain de filon ici. Je vous dis pas la galère. Hop. Hop. Nickel. Nickel Michel. Hop, et voilà. Putain, mais c'est la merde pour sortir les dents. Ah là là. Faut que je mette. Voilà, nickel. Hop là, hop là, hop là. Et on va direction la maison pour ranger nos courses. Et puis je pense que c'est un petit épisode tranquille pour changer. Ça change un petit peu des autres épisodes un peu plus construction, tout ça. Donc après, on retournera au minage. Voilà, tout simplement. On refera du minage. Hein. On retournera faire ça, du minage, parce que voilà, c'est assez simple. Il faudra terminer de découvrir le mineshaft. Et sinon, voili voilou. Oui, donc pour ceux qui savent pas, c'est un quart d'heure d'épisode le mardi et le jeudi. Voilà, c'est des épisodes assez courts, mais que vous avez plus. Du Minecraft, vous en avez plus que du Farming ou du Euro Truck. Donc voilà. C'est un petit avantage, on va dire, pour ceux qui regardent les vidéos Minecraft. Ou ceux qui regardent toutes les vidéos sur la chaîne, c'est encore mieux. Donc voilà, on va ranger ça vite fait. Les trucs de redstone, on va les mettre là. Donc moi les amis, je vais vous dire à la prochaine. Donc on rangera l'inventaire à l'épisode presse suivant.
Et donc voilà, donc moi je les amis, je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner avec les poules qui glitchent sur la fenêtre à droite. Donc moi je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime à la vidéo. Lâchez-vous dans les commentaires, Twitter, Facebook, c'est dans la description. Comme toujours, moi je vais vous dire à la prochaine. Bye bye tout le monde, c'était Quest 9. À la prochaine.